Bonsoir YouTube, nouvel épisode de notre Let's Play sur Gravity Rush. Nous allons faire la conversation que nous n'avons pas fait la dernière fois. Et ensuite, nous serons partis. Voilà, hop, bonjour. Ah, je vais juste récupérer ça. Ah bah c'est Ojan. Enfin Ojan et Yuji. Salut Kat, ça fait des lustres. Je vous ai vu sortir du cuirassé. Vous pensez à vous engager? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je sais qu'ils essayent de protéger la ville et je suis d'accord pour coopérer, mais de là à... Kat, ne vous laissez pas embobiner. Pardon? Je voulais une autorisation pour lancer une nouvelle affaire, mais ils ont refusé. Apparemment, cela pousserait les citoyens à la corruption. Un camion de galas poussé à la corruption? Tant pis, je ferai sans eux. Putain, mais j'avoue, pourquoi camion de galas à la corruption? Enfin, à quel moment tu relis un truc qui fait plaisir aux gamins en donnant de la glace à de la corruption? Pourquoi ça pousserait à la corruption? Je comprends pas. C'est bizarre, je ne comprends pas non plus pourquoi. Ils essayent de vous empêcher de vendre des glaces et essayer de ne pas avoir de problème, d'accord? Papa est sur les nerfs depuis qu'ils ont formé fermé son établissement préféré depuis jeune. Ah. Necker. Je comprends mieux. Allez, pour aller. On verra mieux dans Gravity Rush 2 c'est quoi son établissement préféré. Parce qu'il me semble pas que ça va être montré là. Ah, mais il n'y a pas d'autre conversation. Prédiction 3. Ah, mais je crois que je l'avais lu. Prédiction 3, non. Prédiction 3, c'est avec. Celui où ils vont parler de Raven. Si ma mémoire est bonne. En vrai, je trouve méga classe le jeu. Par contre, ça va me faire un blocage, mais quand je vais passer de 60 FPS à 30 FPS avec Gravity Rush 2. Je me renseignerai s'il y a un remaster, mais en vrai, il me semble pas qu'il y a un remaster de Gravity Rush 2. Parce que sinon, je pense que je l'aurais déjà torché, mais. Et du coup, ça m'embête un peu qu'il n'y ait pas de remaster. Parce que du coup, on va devoir jouer à 30 FPS, ça va être comique. Pardon, messieurs, dames. Ah oui, d'accord. Il est armé d'un fusil, mais c'est quand même courage fuyant, quoi. Ah, ton chat a l'air un peu éteint. Poussière, tu as encore mangé un truc périmé? Ah oui, non, mais je sais pourquoi, du coup. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il a épuisé 8 de ses 9 vies. J'en ai aucune idée. Vous devriez le laisser se reposer. Il ne faut pas lui en demander trop en ce moment. D'accord, je ferai attention. Merci. Qui aurait pu deviner qu'elle était aussi vétérinaire? Au moins, ne fais pas payer pour ces conseils-là. Je me demande si à qui elle serait quelque chose à propos des... Bah, du coup, des gardiens, parce que il me semble que le nom a été dit... A été dit par Cyanéa, je crois. Donc oui, la créature, entre guillemets, qui suit Kat et Raven, ça s'appelle les gardiens. Mais du coup, je me demande si Aki sait quelque chose à propos des gardiens. Parce que là, elle a l'air d'avoir quand même une sacrée connaissance de ça. Et je rappelle que oui, on a appris que les gardiens sont un ensemble d'organismes. Donc là, autrement dit, c'est un ensemble d'organismes qui prend forme, qui prend la forme du chat, de poussière. De toute façon, chez moi, c'est en bas, là, normalement. C'est par là, je crois. Oui, c'est là. Hop.
Donc oui, ça j'avais fait le dialogue la dernière fois, c'est juste il m'a dit ouais, on va être voisins et tout. Parce que du coup, il y a son tuyau, on peut pas rentrer dans le tuyau malheureusement. Je trouve ça un petit peu triste. Mais voilà, bref, nous sommes partis. Déjà, on voit une grosse bosse entre les jambes des quatre. Non, attends, Raven, s'il y en a. Hein? Hein? Attends, mais c'est pas 4 qui a fait. Ah, c'est. On est d'accord que c'est le boss là. Je crois qu'elle a dit Dusty. Mais Dusty, c'est quand même plus mignon que Poussière. Hein, parce que Dusty, en français, c'est Poussière. Mais du coup, ouais, je dois vous, je préfère mieux Dusty que Poussière en vrai. Quelle cupidité! Toi! Ce n'est pas bon de trop nourrir son chat. Il grandit si vite. Et tu es un fantôme? Je pensais que tu étais mort. Eh bien, ma reine, tu es en retard pour le bal. Et ce sera ta dernière danse. Je veux juste une dernière danse. Merci, Kyo. La poussière! Ouais, elle s'est changée à une vitesse. Non, parce que... Là, il n'y a pas l'écharpe. Hein. Là, il n'y a pas l'écharpe, on ne voit pas la tenue. Hein. Elle s'est changée à une vitesse. Impressionnant. C'est une magical girl. Tombée en lambeaux. Ah, il y a la pomme. Miaou. Je rigole de ma propre connerie. Poussière, attends, tu n'étais pas divisé en je ne sais pas combien de morceaux ? L'intégralité de poussière. Ouais, c'est ça, il y a la pomme. Ils ont remis la pomme pour la peine. Mais là, nous sommes littéralement au début du jeu. Et bien évidemment, je ne peux plus inverser la gravité. Poussière, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Par contre, je peux taper. Merci Poussière de m'éclater sur la barrière, il n'y a pas de problème. Allô? Merci. Alors, je ne sais pas de quel pouvoir tu parles, Kat, mais pour l'instant, je peux rien faire. Ouais, on est littéralement en train de suivre ce chemin. Mais je crois que ce chemin, il est pas accessible. Hein. Normalement, dans un jeu comme ça. Raven ? Tu peux pas être là, ça reste une illusion. J'espère que tu as... Gna. J'ai pas le temps de lire ces dialogues-là. Lolo. J'avoue, il a fait un nia. Hein, si un nia. Niaou. J'espère que tu utilises ton pouvoir de créatrice pour protéger les enfants. Si tu savais, Kat. Oh, un gros matou. Miaou, miaou. Ron, ron. Il est encore faible, mais je sens que mon pouvoir revient. Peut-être qu'il continuera à s'accroître si je finis de rassembler poussière. Même si tu retrouvais le reste de ton chat, cela ne changerait rien. Alias, tu n'en te fuiras jamais d'ici. Ma panthère y veillera. Attends un peu, que je rassemble poussière. On trouvera un moyen de sortir d'ici. Bien, bien, j'aime cet état d'esprit. Je vais juste attendre que tu baisses les bras. Tu vas attendre longtemps alors. Je ne te laisserai jamais l'emporter. Bizarre, cette...
Ouh, un peu plus si je le prenais, celui-là. D'accord, il me regarde complètement le frapper, y'a pas de problème. Bon, ça m'arrange, hein. Mais où est-elle passée? De toute façon, y'a rien d'autre par ici. Ça bouge un peu vite, là, mon goût. Ah, je peux pas aller au-dessus, je voulais aller au-dessus. Par contre, là, du coup, il n'y a pas poussière, mais elle peut quand même inverser la gravité. Bah, dis donc, il n'y a pas l'océan noir en bas. On est d'accord. Ah, il n'y a pas l'océan noir. C'est le même fond que Abu Tom. Loupé. Merci. Ah. Ah mais ils sont trois putain, mais je crois qu'ils étaient deux. Ouais, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Tu peux sortir de là, Kat, s'il te plaît? Allô? Merci. Complètement à côté. Voilà, ça c'est fait. Montre-moi ton derrière, mon ami. Bonjour. Non, tu ne charges pas? Ah si, c'est bon. Hop. C'est vrai qu'il y a une espèce de visée assistée hein, quand même. Ah, je m'en doutais que j'allais toucher. J'allais toucher sa coquille. Ah merde. Ah ça j'avais complètement oublié que ça repoussait cette connerie. Nya. Bonjour. Elle est stylée cette attaque quand même. Ah mais ça déjà, par contre c'est déjà un petit peu plus chiant ça. Faut que je commence par toi. Alors moi je l'ai one shot. Ah, complètement à côté mais c'est pas grave. Allez. Putain mais je suis nul. J'ai pas visé, j'ai trop vite. Miaou. Je sais pas si on entend. Ah oui, non, mais on entend rien du jeu en fait. Putain, je suis en train de voir ça. Voilà, ça serait peut-être un petit peu mieux. Je me rends compte que maintenant qu'on entend rien du jeu. Non, c'est déjà un petit peu mieux. Je sais pas si d'ici je les touche. Je les touche. Elle est vraiment. Enfin, de toute façon, les trois attaques spéciales, je les trouve méga classe. Mais celle-là, ça reste quand même marrant à faire. Ah, mais ils sont trois! Putain, mais je les voyais deux. De loin. Ah, par contre, il a bougé. C'est pas cool d'avoir bougé, mon ami. Ils ont l'air d'être quand même assez inoffensifs. Ah oui, d'accord, c'est comme ça, sans prévenir, on s'amuse. En plus, il a le truc sur la gueule. Oh,
Et il a vraiment une sacrée portée l'autre. Il faut vraiment faire gaffe. Esquive. Ah par contre ces deux là ensemble, ouais, j'avoue que c'est un peu plus chiant déjà. Esquive. Ouais, tu m'as touché, celui-là. J'ai esquivé, mais j'ai esquivé beaucoup trop tôt. Là, tu m'as pas touché. Ouais, mais là, je. Touche pas son arbre, on est d'accord. Je pense avoir touché son arme. Si, je pense que j'ai touché son arme vu la vitesse où je l'ai cassé. Bon voilà les 4 dernières parties. Je m'en suis plutôt pas trop mal sorti. C'était le dernier morceau de poussière. Je crois que j'ai retrouvé tout mon pouvoir. Miaou. Hein, tu n'as pas l'air comme d'habitude, poussière. Enfin, peu importe. On fera mieux de s'y mettre à deux pour venir à bout de cette panthère et sortir d'ici. Si je peux me permettre, il n'y a pas que la panthère. Ça va être walk and roll. Ah, c'est pas du tout sur ce mur là que je voulais être. Justement à cause de ça. Bonjour. Oh, putain, ils sont hardcore les deux ensemble. J'étais au bord, j'ai pas fait gaffe. L'autre. Mmh. Elle est là, je vois. Il arrive. Loupé. Cadeau. Ah non, il est coincé derrière. Un tricheur. C'est exactement ce que j'avais fait tout à l'heure. Mais moi, c'est de la stratégie, c'est pas de la triche. Hop, on va récupérer un peu de vie. Bonjour monsieur. Il vient me taper du poing. Mais non, mais j'étais pas une. Inertie. En vrai, il reste que ces deux-là, mais d'accord. Hein. On les doit. Il doit rester deux sur toi, celui de devant et celui-là. Oupé. Oh, tu peux passer devant, 4. Ouais, je m'en doutais le point qu'il allait arriver de façon. Mais il est pas mort, il reste derrière, logiquement. Ouais, c'est ça. Là, il est mort. Et que s'est-il passé? C'était incroyable! Littéralement le final de 4 dans PlayStation All-Star Battle Royale. Je ne pouvais pas laisser les chats faire leur vie. Pourquoi tu ne pouvais pas laisser les chats faire leur vie? Tu as dépassé mes attentes. Mais je n'en ai pas fini pour autant. Bientôt tu sauras tout.
Mais toi? Visage choqué. Impossible. Miaou. Impossible que ce soit Alias, non? C'est ridicule. Hein? Alias était revenu d'entre les morts pour me hanter, et Poussière était tombée en lambeaux. Je ne sais pas encore si ce qui est arrivé était réel ou non, mais le retour de Cyanéa n'était pas un rêve. Ah, bonjour Kat, où suis-je? Cyanéa ne savait pas ce qui était arrivé à Raven et à l'Arche. Je devais attendre qu'elle s'endorme et que son autre moi se réveille pour avoir des réponses. Hop, nous allons donc... Je vais dire, dans Gravity Rush 2, il ressemble pas du tout à ça, mais c'est normal que dans Gravity Rush 2, il ressemble pas du tout à ça. Comment tu fais pour être toujours aussi calme, Cyanéa? Je peux pas m'empêcher de penser qu'un malheur est sur le point d'arriver. Ça serait bien si quelque chose de bien nous arrivait pour changer. Tu es marrante. Tu n'as qu'à penser que tout le malheur est une bonne chose, et il ne t'arrivera que des bonnes choses. C'est étonnamment exact ce qu'il dit, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, Yanea. Ouais, mais ça ne veut rien dire. Il faut que tu retournes dans ton esprit et que tu transformes tes souvenirs pour les rendre meilleurs. Il faut juste que tu retournes dans ton esprit et que tu transformes tes souvenirs pour les rendre meilleurs. Alors, techniquement... Enfin, oui, là, on est dans l'univers de Gravity Rush. On ne peut pas retourner dans ses souvenirs pour les changer. Faut pour les rendre meilleurs, du moins... Ou à moins elle part s'il y a des... Ah, ou peut-être de manière philosophique, si je peux dire. Dans le sens où, ouais, si t'arrives que des mauvaises choses, de retourner dans tes souvenirs, notamment dans les bons souvenirs, pour justement rendre meilleure la situation. Je sais pas si c'est à peu près ça qu'il faudrait dire, mais... Essaye d'imaginer comment tu ferais les choses différemment et fais en sorte que ça soit ça qui arrive. Tous tes malheurs se transformeront alors en bonnes choses. Ouais, quand même assez sceptique là-dessus. Hein. Parce que je suis pas sûr que ce soit réellement comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, ouais, de se poser la question en mode ouais, j'ai fait ça comme ça. Donc, on pense au passé. Mais le fait d'imaginer ça maintenant, donc en ayant pris de l'âge, et de dire qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait différemment, ça par contre, j'avoue, c'est une question plutôt intéressante. Intéressante, mais malheureusement, il n'y aura jamais de réponse à cette question, et c'est très dommage. Alors moi, c'est peut-être pour le mieux. On ne peut pas changer le passé, on a droit qu'à une seule chance, et je suis entièrement d'accord avec Kat. Tout ce dont tu te souviens du passé est dans ta tête, non? Alors, c'est tout ce qui importe. Oui, dans le sens où... oui, c'est ce qui t'a forgé jusqu'à aujourd'hui. Donc là-dessus, je suis aussi à peu près d'accord. Si tu penses que quelque chose s'est passé, alors il s'est passé. Alors ça, par contre, je suis pas du tout d'accord. Ton cerveau... Alors, tu as des souvenirs, oui, mais il ne faut pas oublier que ton cerveau est quand même capable de transformer tes souvenirs. Quelque chose qu'il peut faire, ton cerveau. Mais il y a des preuves que les choses se sont passées comme elles se sont passées. Les gens qui étaient avec moi à ce moment-là, les objets laissés derrière. Oui, dans ce cas-là, oui, tu parles de manière matérielle. Dans ce cas-là. Portez-moi, Yann. Sur le bandeau de 4 sur son image, il y a un trou, si j'ose dire. Une petite coquille. Je sais pas si on dit coquille, mais il y a un petit loupé sur son bandeau. Les gens qui étaient avec moi à ce moment-là, ouais. Eh bien, si tu tombes sur une contradiction, tu n'as qu'à retourner au moment où tu as découvert cette contradiction et l'effacer. C'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que si je me disais que ce n'était pas n'importe quoi, tout commencerait à vouloir dire quelque chose. Oui. En effet, oui. Par exemple, si tu dis, ouais, par exemple, saute dans la Loire et par exemple, tu serais éternel, si tu ne dis pas que c'est justement de la connerie et que ça veut dire n'importe quoi, en effet, du coup, ça veut bel et bien dire quelque chose. Et même comme ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les gens te prennent pour un con. Mais voilà. Mais oui, du coup, je comprends le sens de la phrase.
Je n'existe que dans le présent. Faux, tu existes aussi dans le passé. Parce que du coup, si les gens se souviennent de toi, c'est que tu vis aussi dans le passé. Je n'existe que dans le présent. Donc, si j'imagine avoir été heureux jusqu'à présent, alors je serai toujours heureuse, non? Je crois que ma tête va exploser. En vrai, c'est à peu près ça. En vrai, c'est à peu près ça. Parce que c'est toujours quand tu profites des bons moments où tu te rends compte que ce bon moment est fini, que tu sais que t'as passé un bon moment. Et désolé si j'explose le cerveau des gens en disant ça. Mais du coup, c'est une vérité, ça. Par contre, je suis entièrement d'accord. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu t'en rends compte que après coup, en fait. Sur le moment, tu profites, t'es détente, t'aimes bien ce qui se passe et tout, il y a une bonne ambiance. Mais c'est après, au moment où cette chose-là va être terminée, où tu t'en rendras compte que tu seras heureux, en fait. Essaye simplement ceci, Kat. Regarde-moi dans les yeux et redécouvre tes souvenirs comme si c'était la première fois que tu les voyais. Ah, j'ai comme une impression de déjà vu. J'ai l'impression de m'être souvenu de quelque chose comme ça la première fois que je t'ai rencontré. Parle à Cyanéa pour retourner à Boutum, le quartier du bout du monde, et y récupérer des gemmes précieuses ou prendre part à des défis. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est grâce à elle que tu vas à Boutum, du coup. Il me semble que c'était Gad. Mais oui, du coup, c'est logique que ce soit Cyanéa. Prédiction. Ah, on va retourner voir à qui. En plus, je récupère mon ulti. Nickel. Attends, je récupère ça. Ça, je croyais que c'était Nuit à Léon, mais non, ça marche. Il est toujours là-haut d'ailleurs, Nuit à Léon. Oui, il est là-bas, Nuit à Léon. Hop. Il est là-bas. Bonjour, Aki. Oh, bienvenue. Oula, que tu arrives, Aki. Que se passe-t-il? Tout va bien? Je suis toute chose. Mes prédictions sont bizarres aujourd'hui. Alors je pense fermer un peu plus tôt. Les prédictions d'Aki sont toujours bizarres. Oui, non, mais... elles étaient bizarres, certes, mais elles étaient toujours justes, ces prédictions. Oh, c'est bête. Je voulais justement vous inviter à prendre un petit bol d'air avec moi. Merci pour cette gentille attention, mais il vaut mieux que je reste chez moi aujourd'hui. Ah bon, pourquoi? Quelque chose ne tourne pas rond. Et si nous regardions plutôt la télé ensemble? Pas du genre à rester devant la télé, pourtant. Ça ne vous ressemble pas d'être inquiète. Peut-être une autre fois. Attendez, je... Moi, je serais totalement resté avec elle, en vrai. Hein. Ah, il y a mon chat qui joue avec le poisson. Poisson. Bah oui, mais... le regard qu'il m'a fait. Je vais juste suspendre un tout petit peu le live et du coup la vidéo YouTube. Mais de toute façon, je vais juste mettre la vidéo YouTube en pause. Et je reviens dans quelques minutes. Besoin sanitaire. Donc, nous sommes repartis. Désolé de l'attente. Pour vous, YouTube, ça fait seulement quelques secondes. Ça n'a même pas fait une seconde, je crois, pour vous, YouTube. Mais, voilà, j'avais un besoin. Oh, il y en a un caché là, je l'ai vu. Hop, on va y aller. Au revoir et merci pour toutes les aversions de gravité. Quelqu'un qui ne doit pas nous apprécier, ça. Je reconnais. Du coup, forcément, j'ai bougé. Le chat, il ne joue plus avec son poisson. On sent que le chat, il joue avec son poisson, mais il a un petit peu honte de me voir jouer avec son poisson. Le pauvre chat. Bonjour Gravitaine, félicitations, c'est un plaisir de travailler avec vous. Hein, mais de quoi vous parlez? Ne le prenez pas mal, vous avez été génial, mais on n'aura plus besoin de votre aide à partir d'aujourd'hui. Ah, il y en a qui ont pris la grosse tête. D'accord, hein, donc toi t'as vraiment une confiance absolue en ton armée, toi. Information. Dis donc, moi je vois pas jouer avec le câble. Je me demandais justement pourquoi t'avais ta patte qui sortait de dessous l'écran, mais oui, du coup je le vois. En plus, t'es sur la table, le chat. La grande nouvelle. Le chat. Merci, le chat. Tu sais qu'il y a tous les écrans, il y a tous les claviers, tout ça, je ne veux pas que tu montes sur la table, c'est pas compliqué. Mais tous les jours, je te le dis.
une grande annonce va être faite aujourd'hui. C'est le maire d'Enelika lui-même qui parlera. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Tout le monde se rend au Beffroi pour y assister. Apparemment, il va nous parler de sa nouvelle arme contre les Nevi. J'espère que c'est vrai. Je n'en peux plus de ces Nevi. Vivement que tout redevienne normal. Je ne sais pas ce que le maire va nous proposer, mais ça ne va pas être facile de se débarrasser des Nevi. Oui, bah déjà, c'est oui, clairement oui. Parce que littéralement, pour se débarrasser des Nevi, il faudra de une se débarrasser des tempêtes gravitationnelles. Ce qui déjà n'a pas une mince affaire en soi. Mais il n'y a plus l'océan noir. Putain, mais oui, mais il n'y a plus l'océan noir. Ah ouais. C'est autant dans l'ombre. J'imagine que là-bas je peux plus y aller. Ouais, c'était sûr. Quoi, avoir une puissance accrue servira à 4 pour l'exploration dans certaines zones plus difficiles. Améliorer la formation de la jauge lui permettra par exemple d'inverser la gravité plus longtemps. D'accord. D'ailleurs, c'est que dans Gravity Rush 2 que là elle esquive. Parce que je sais que normalement quand tu tapais l'écran, et notamment là où il y avait 4, il y avait une interaction spéciale. Mais je sais plus comment je peux faire. Ceci il a dû être adapté. Oui d'accord, donc c'est pour initialiser la caméra. Ça a dû être adapté à mon avis, parce qu'il me semble que j'avais réussi à le faire. Mais je sais plus du tout comment j'ai fait par contre. Donc là, il n'y a rien. Plus jeune, il n'y a rien. Endestria, il n'y a rien. Et du coup, il n'y a plus rien. Bon, bah écoute, pour YouTube, on va se laisser là. Ça fait quoi, 33 minutes? 33 minutes quand même. Et puis du coup, on se retrouvera devant pour lancer le prochain épisode. Des bisous à la rediffusion YouTube.